Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit paquet que je viens de recevoir. Alors comme vous savez, je suis abonnée à My Little Cigogne, donc c'est pour mes enfants. C'est le même principe que Click and Fit, Look Hero, mais c'est pour les enfants. Donc là c'est pour ma fille de 10 ans. Alors elle n'est pas avec moi, elle fera les essayages après parce que elle en a marre de mes vidéos à force. Donc voilà, donc je ne l'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir devant vous, donc le même principe. Par contre, vous ne payez pas à l'avance la Personal Shopper. On vous fait, donc là c'est un abonnement, donc j'ai choisi un abonnement tous les 3 mois avec 3 tenues. Ce que vous gardez, vous payez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas garder, vous renvoyez. Voilà, même principe, si vous gardez toute la malle, alors je crois que ce mois-ci c'est moins 35%, enfin il faut que je regarde, hein. Voilà. Je vous dirai tout sinon en bas. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Allons-y, hop, c'est parti. Alors, des fois c'est sympa, des fois c'est moins sympa parce que ils ont, quand les enfants ont des goûts bien, bien spécifiques, c'est pas toujours à la mode, donc voilà. Bon, alors je sors. Alors, ça se présente comme j'enlève tout. Donc pareil, un petit sachet déjà affranchi, non, il n'y est pas, alors ça doit être à part. Donc tout le temps un sachet pour, il est bien grand en plus, hein, pour renvoyer ce que vous ne voulez pas garder. Là donc j'ai mon petit coupon avec la facture que je ne vais pas regarder. Je regarde s'il y a le, pour renvoyer. Ah oui, elle est là, la feuille. C'est pas dessus. Attendez, je cache mon nom. Voilà. Voilà. Le petit coupon pour retourner. Colissimo. Donc pareil, par la poste. Hein. Donc la facture que je ne regarde pas tout de suite. Hein, je vais la mettre de côté. Est-ce qu'on dit qu'il l'a préparé Constance. Donc pour Léna, de la part de sa styliste, Constance. Voilà. Donc la facture, je la garde là, comme ça on va regarder en même temps. Voilà, donc je commence. Alors ça se présente donc 3 tenues par des petites cordelettes. C'est fermé par des petites cordelettes, 3 petits paquets. Parce que j'ai demandé 3 tenues. Voilà. Donc je vais ouvrir la première tenue. Je vais commencer par celle-ci peut-être. Celle-ci parce que c'est le début de la liste, il me semble. Oui, donc je vais commencer par celle-ci. Donc, petite cordelette que je détache. Hop. Et allons-y. Donc, c'est pour ma fille de 10 ans. Donc, moi, j'ai pris, vous décidez, donc, avant la taille de l'enfant, enfin, la taille qu'il porte. Hein, moi, elle a 10 ans, elle porte du 10 ans, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc moi, c'est du 10 ans. Donc, on commence. Alors, je reprends parce que ça avait coupé, donc, le premier petit lot. Donc, on a donc cette petite veste matelassée. Alors, voilà, tissu un peu bizarre, élastique, un peu bizarre, quoi. Voilà, donc c'est la marque LC Kids. Alors, c'est la marque, c'est leur marque, Little Cigogne. C'est une marque qu'ils mettent très souvent dans leur box. Voilà, j'ai l'impression qu'maintenant, ils ont créé leur propre marque et qu'ils y mettent... Et derrière, on a une petite inscription marquée Championship Club Ornament. Moi et l'anglais, ça fait deux. Voilà, donc, ouais, on verra si elle aime, mais bon. Donc, elle est au prix de 29 euros. Ah oui, quand même, pour une petite veste, voilà, on verra si elle aime. Mais c'est vrai que la matière, c'est un peu bizarre, c'est assez épais. Voilà. Deuxième pièce. Oula, on dirait un pyjama. Alors, comment vous dire que c'est une matière, vous voyez, un peu... pas très jolie. Hein. Moi, je trouve que ça fait pyjama. Moi, je leur mets ça en tant que pyjama. Voilà, c'est un... Alors, ils appellent ça un legging. De la marque LC Kids, toujours Little Cigogne. Et elle est au prix... Il est au prix de ce legging de 19 euros. Pour un pyjama... Enfin, c'est pas un pyjama, hein. Mais moi, je trouve que ça fait très, très pyjama. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Vous voyez, la matière un peu... voilà, quoi.
Bon, ben, ça commence mal, hein. Voilà, peut-être que ça fait joli, hein, mais la matière. Et nous avons donc un petit, pour finir cette tenue, un petit t-shirt jaune, Little Cigogne toujours. LC Kids, de leur marque, bon, rien d'exceptionnel, hein, un t-shirt jaune, avec juste un petit nœud au niveau des manches et un petit cœur. Alors, elle a 10 ans, mais alors, les petits cœurs, les petits trucs bébés, il faut qu'ils arrêtent de mettre des trucs, il faudrait qu'ils mettent des trucs un peu plus mode, peps, enfin, voilà, pour les jeunes, quoi, parce que là, surtout qu'elle veut imiter sa sœur, qui est plus grande, c'est pas gagné. Voilà, donc ce t-shirt jaune, lui, il est au prix de 15 euros. Alors, il me semble qu'on est en période de solde. Pourquoi n'ai-je pas de solde? Alors, si, Constance, si tu passes par là, pourquoi n'ai-je pas de solde? J'aurais voulu au moins avoir un peu de solde. Or là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solde. Et d'après ce que je vois un peu sur la facture, il n'y a pas de solde du tout sur ma facture. Bon. Avoir la première tenue. On passe à la deuxième tenue. Première tenue, qu'est-ce que t'en penses? Comme je vous disais, ça fait un peu pyjama. Hein. Puis à la taille, montre la taille, c'est hyper large. Non, je le Voilà. retrouve. Bon, on dirait un pyjama, franchement, 19 euros pour un pyjama, non merci. La veste, c'est mignon. Oui, elle est belle. Un peu chiante à attacher, on a vu tout à l'heure. Détache-le. Fais voir, tourne, tourne d'abord. Ok, alors on va rentrer l'étiquette. Hop, donc avec l'écriture, tourne-toi. Voilà, ok. Moi, bon, elle aime bien. Hein. La veste, elle aime bien. On ouvre le t-shirt. Alors, comment vous dire que ça fait pas très moderne cette tenue, j'ai envie de dire. T-shirt large, ressemble à rien en fait. Ça ressemble à rien. Donc, en tout cas, je pense que ce pyjama-là, bon, pour moi, ça, je le mets en pyjama. Hein. Non, Léna? Ouais, peut-être. C'est pas top. Hein. Allez, suivant. Alors, on passe à la deuxième tenue. Comme on a pu voir, la première tenue, c'est pas top. Hein. Ça fait vraiment pyjama. À part la veste, qu'elle aime à peu près, le reste, wow. Deuxième tenue, que voici. Alors, deuxième tenue, c'est un peu plus fleuri. Ah, je vois qu'il y a un petit bijou aussi. Alors, leur bijou, c'est mignon, mais il ne faut pas que ça fasse bébé non plus, parce que sinon, voilà quoi. À 10 ans, voilà, pas envie d'avoir un truc trop bébé. Alors, on dirait un petit bracelet, donc c'est de la marque Storytelling. C'est un bracelet, donc réglable. Donc, de la marque Storytelling, avec des petites perles comme ça, là. Attends. Hop, qui bouge un peu. Ouais, en métal. Où il y a marqué Young. 5,90 un petit bracelet comme ça. Là, je suis pas sûre que. Voilà. On va pas l'essayer parce que sinon il faudra enlever tout le packaging là. Voilà, si on le garde pas. Donc 5,90 pour le petit bracelet. Bon. Voilà. Deuxième pièce. Alors, c'est quoi ça? C'est fleuri, c'est joli. C'est de la marque Eden et Victor. Alors, ça, c'est une marque qu'ils mettent régulièrement dans les box aussi. Dans la box. C'est une petite robe. Très mimi. Alors, très mimi. Les fleurs, très très sympa. Taille élastique, par contre. Elle m'a l'air hyper transparente, vous ne voyez pas. Mais alors, elle n'est pas doublée du tout. Et enfin, voilà, je vois ma main au travers. Bon, à voir, essayer, à voir si elle aime. Mais elle est mignonne, quoi. Elle est mignonne. Donc, cette petite robe, elle est au prix de 29 euros quand même. Bon. Pour une petite robe non doublée, j'aurais au moins voulu qu'elle soit doublée pour 29 euros, quoi. Voilà. Bon, à essayer. En tout cas, le motif est joli. Et enfin, pour associer avec, on nous a mis une petite veste. Pareil, la marque Eden et Victor. Bon, je suis pas fan de cette veste. C'est pas très moderne. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas hyper moderne. Hein. Et les poches comme ça, là, bouton pression. Donc, celle-ci, elle est au prix de 27 euros. Je pense qu'elle ne va pas aimer. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, on passe aux essayages. J'appelle ma fille et on essaye. À tout de suite. Essayage de la deuxième tenue. Alors, la veste, effectivement, elle fait pas du tout moderne. Hein. Ça fait un peu vieillot, pas beau. Voilà. On va l'enlever pour regarder. En dessous, la robe. Elle est mimi.
Mais vas-y, lève les bras, on va montrer ce que ça fait. Alors, quand on lève les bras et qu'on les redescend, et bien la robe, elle reste en haut. Alors, je pense que si on la garde, il faudrait mettre une ceinture. Parce que sinon, la robe, elle aura tendance à remonter. Voilà, c'est pas top. Voilà, descends là maintenant. Maintenant, le motif, il est joli, hein, ça. Tourne-toi, vois. Il est joli, hein, le motif. Mais il y a un truc qui va pas, là. Bon, on va réfléchir, mais qu'est-ce que t'en penses? Non, Bof, hein. moi ouais, bof. Bof, voilà. Donc, deuxième tenue, pas top. On passe à la suivante. Alors, on passe à la dernière tenue, dernier paquet. Déjà, je vois une couleur là. Je suis pas fan. Alors, bon, on va voir. C'est quoi? Je vous ai dit le prix de la veste tout à l'heure? Je sais pas si je vous ai dit le prix de la veste en jean. La veste en jean, elle était. Ah oui, à 27 euros, je vous l'avais dit. Donc là, le dernier paquet. Alors, nous avons. Alors, je commence par le bas. Alors, un pantalon. Un pantalon basique, quoi. Alors, Eden et Victor. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une étiquette comme ça. On dirait que c'est du d'occasion. Bizarre. Donc, il est à 22 euros. C'est ça que j'ai vu? Oui, ça, c'est le paquet. Tout est à 22 euros, vous allez voir. Donc, petit pantalon un peu style jean. Bon, tout simple, hein, kaki, basique, 22 euros. Bon, à voir. Oui, c'est un basique, hein. Après, il faut voir si ma fille, la couleur, ça lui plaît. Ensuite, donc je vous ai dit, hein, tout est à 22 euros. Donc, pareil, ça, 22 euros, c'est une petite chemise avec un petit nœud en bas attaché. Voilà, le motif est sympa. Regardez des petites broderies là, petites fleurs brodées à rayures. Plutôt sympa. C'est pareil, marque LC Kids. Voilà. Donc 22 euros à voir. Il m'a l'air assez large. Ma fille, elle est toute menue. Et enfin, c'est quoi ça? Un petit gilet. Alors la couleur, je ne suis pas fan du tout. Voilà. De la marque Eden et Victor. Faut qu'ils arrêtent, hein. Eden et Victor, Little Cigogne, LC Kids. Faudrait mettre d'autres marques. Je sais pas. Constance, si tu m'entends, on pourrait pas mettre des marques classiques, Gémeaux, qui habillent, la Halo Vêtements. Voilà, si tu passes par là, tu peux me renseigner peut-être. Merci. Donc ce petit gilet, à pression. Petite pression, comme ça. C'est pas très moderne, hein. Non, c'est pas très moderne. Voilà, 22 euros aussi pour un petit gilet comme ça. Bon, j'appelle ma fille, on passe aux essayages. Tout de suite, dernier essayage. Dernière tenue. Bon, comme on disait, le gilet, Il est moche. il est moche. La couleur, bon, en plus on voit pas bien, c'est pas tout à fait la C'est couleur qu'on saumon. voit sur. C'est saumon. C'est brique, moi je dirais. Là, au retour, vous le voyez un petit peu orangé. Mais en fait, ces briques, c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout. Voilà. On enlève le gilet, on regarde ce qui se passe en dessous. C'est déjà plus mignon, hein? Oui. La chemise est pas mal, le pantalon te va. Fais voir, tourne. Je préfère le pantalon. Pantalon est sympa, ouais. Ça lui va bien. Oui. La chemise, non, t'es pas fan. Non, elle est pas fan. Oui, mais non. C'est joli pourtant, hein, les petites broderies là. Pas fan. Alors il y a un nœud au niveau de la chemise, mais elle est hyper longue, donc ça fait pas beau. Non, non, l'enlève pas. Ça fait pas beau. Voilà. Bon, ben débriefing et puis moi je vais vous dire ce qu'on va garder, hein. On va leur dire parce que là c'est pas une box très à la mode. Voilà. Allez, débriefing. Alors, comment vous dire que c'est pas du tout moderne cette box, même pour un enfant de 10 ans. Voilà. Donc, en gros. Je vous explique. Si je garde tout, donc ma malle, elle fait 190,90 €. Si je garde tout, j'ai moins 35%, ce qui me revient à 124,08 €. Il n'y a pas de frais de stylisme. Comment vous dire que je ne vais pas tout garder parce que déjà, elle aime quasiment rien. Le seul truc qu'elle aime, ça va être le petit pantalon kaki qui lui va bien et qui est un classique. 22 euros, ok, pourquoi pas. Sachez que si en plus on ne garde pas tout, donc là c'est 22 euros, c'est 22 euros. Ils n'ont pas su me mettre de choses en solde, alors que c'est les soldes.
22 euros. Et qu'est-ce qu'elle aimait aussi? Alors, cette petite veste matelassée, vous savez, la première. Sauf qu'on s'est rendu compte que pour l'attacher, elle galère. Elle est très, très embêtée à l'attacher. J'ai pas envie de galérer avec elle en disant « Dépêche-toi, attache ta veste !»« J'y arrive pas, j'y arrive pas !» Donc, voilà, ce genre de truc, j'ai pas envie. Donc, en plus, elle est à combien? Elle est à 29 euros, donc non, je la garde pas, non. Donc Constance, si tu m'écoutes, s'il te plaît, la prochaine fois, mets-nous quelque chose de plus moderne. Surtout que là, elle va rentrer au collège. Alors elle va pas s'amuser à mettre des trucs style pyjama. C'est pas possible. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais franchement, je suis déçue. Voilà, alors moi j'ai reçu ma Look Hero, j'espère que ce sera mieux parce que je vais vous la présenter aussi. Vous verrez une autre vidéo avec la Look Hero, j'espère que ce sera mieux parce que alors là c'est pas l'extase. Voilà, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous tente, je vous mettrai mon lien de parrainage si vous voulez essayer. En tout cas, ça ne vous engage en rien, c'est-à-dire que malgré tout vous prenez un abonnement, moi c'est tous les 3 mois. Si j'ai envie d'arrêter... Même dès ma première box, je pouvais arrêter. Là, j'ai envie de continuer parce que je vais quand même leur laisser une dernière chance. Parce que là, au mois de septembre, mais si je vois que non, ils n'ont rien compris, fini. On arrête. Voilà. Donc, n'hésitez pas, essayez. Je ne vous ai pas dit, le bracelet non plus, on ne garde pas. Hein, 5,90€, c'est les soldes. Mettez-nous des soldes, quoi. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va garder uniquement le pantalon à 22€. Et déjà, c'est bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis, essayez. Vous verrez. Mais en tout cas, dites-leur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. À très vite. Bye bye les loulous.